Sur CT News, la deuxième partie aura lieu à 19h45, heure de Kinshasa. Soyez déjà branchés, soyez déjà en attente pour la suite logique de ces informations. Lors de cette seconde partie, on va parler de la journée d'aujourd'hui qui, pour certains, est une journée de libération. Pour d'autres, par contre, et les débuts des malheurs de la République démocratique du Congo, on essayera de relayer ou de relater l'histoire depuis les départs jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui et des pistes et des solutions à proposer, pas seulement aux autorités, mais au peuple congolais, de partout où nous sommes, parce que cette situation ne concerne pas seulement ceux qui nous dirigent, concerne également tous celui qui se sent dans son cœur, dans son esprit, dans son âme, étant congolais. Nous devons nous mettre ensemble et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour remettre le pays sur la pendule et aller de l'avant. Les DG de l'ANR est gravement malade et va devoir être évacué. Il serait entre la vie et la mort. On vous donne quelques détails rapidement. Ça va pas traîner, ça va prendre 10 à 15 minutes et puis on va devoir se séparer parce que c'est un sujet délicat. On a voulu mettre ça de côté avant de pouvoir aborder les sujets d'actualité, notamment l'interview que Kamere a accordé à certains médias internationaux où il revient sur les moments des crises qu'ont traversé le pays depuis son accès à l'indépendance ou depuis le fait que le pays a décroché, a arraché son indépendance à travers des martyrs de l'indépendance. On va revenir sur ces genres de sujets dans la soirée. L'opposition qui aurait réussi son coup, malheureusement, l'opposition a écrit au FMI et à la Banque mondiale sur ce qu'ils présument étant détournement des fonds qui ont été confiés au pouvoir en place à travers les gouvernements pour les fonctionnements de certains projets. Tout ça. Alors, on a le bas qui me collègue qui n'a pas de document. L'opposition a fondé Mokondi Mboka, a fondé Mikondi au gouvernement, pas la FMI et pas la Banque mondiale. Donc, on a la pression au bas de la FMI, parce que Tchatchiseke, au moment où nous parlons là, nous avons accès à un document top secret, il y a la Banque mondiale, puis la FMI, en réaction à la déclaration à l'opposant. Mais notez également que la RDC figure désormais parmi les 10 pays africains les plus riches. On les a dit classement actualisé en 2023. Donc, le Bélango est la seconde partie et actualité. Situation sécuritaire dans l'Est et en Bokanabiso. Jean-Pierre Bemba, à l'écrit, ça qui m'a mis le niveau à Indonésie, à Zongi, pour continuer dans Moussala. Dans l'Est, il y a un peu de temps, il y a autodéfense, il y a réserviste. Na banya Rwanda ya armée terroriste rwandaise, Batuya EAC de plus en plus accusé. Lutundula a signé en présence de HCR, Topé au commissariat et des Nations Unies pour le droit de l'homme et puis des réfugiés, tout ça. Na niveau ya Suisse kuna ba signé. Katina ye na affaires étrangères ya Rwanda, rapatriement ya ba soi-disant réfugiés congolais qui sont au Rwanda et des réfugiés rwandais qui sont au Congo. Une chose est sûre. Et ça a déjà mauvais départ pour nous. Parce qu'en vrai, il n'existe pas de réfugiés congolais au Rwanda. Un vrai Congolais, peu importe dimension à guerre, peu importe intensité ou degré de souffrance, ne peut jamais aller se réfugier au Rwanda. Parce qu'ils savent, Bandekonabiso et Est en particulier, ils savent que c'est à cause de ces mouvements populaires-là que la situation sécuritaire ne fait que se dégrader dans l'Est de notre pays. Et donc, normalement, alors, on a signé des réfugiés congolais au Rwanda, dans la Kawapi, dans la circonstance Nini. On a signé des réfugiés au Rwanda, on a entré à Afdel. Entré à Afdel, si on n'a jamais touché l'Est et Mboka qui est réfugié, l'Est et Mboka qui est au Rwanda, ça n'a jamais eu lieu. Stratégie wana o kagama tinda ba rwandais dans la ba nyere remboro ya armée na terroriste ba ye ba exterminer ba congolais pa na bango siko yo batiki ba terrain vide intention à communauté intercriminelle les aninini kozwa ba rwandais kuna koya na bango na ba territoire wana pourquoi ba ko installer bango na ubangite pourquoi ba ko installer bango na kasaite pourquoi ba ko installer bango na est wana parce que intention la bango za déjà à cohabiter na est alors pour na ko satisfaire na ba attente na bango. Et c'est une erreur qu'on impose. C'est une erreur, chers compatriotes, grave, commise par l'État congolais pour que vous signez vous au Bawana et vous ne vous jamais bouma. Il y a ce sont bien à Ouganda, Burundi, Tanzanie, pour que vous compreniez. Des gens viendront dire si vous voyez que les gens sont plus proches du Rwanda, c'est faux. C'est faux. Les gens, enfin, même dans l'île, il y a Idriwana, dans le sud, qui vous.
Ces gens-là ne parlent pas Kinyarwanda. Par contre, ceux qui sont du côté du Rwanda parlent Swahili. Tu vois un peu état d'esprit à Bandego Nabiso ya Est. Bako qui jamais qu'on s'est réfugié dans Rwanda. Bako qui jamais qu'on s'est réfugié dans Rwanda. Cette fois, si on a réfugié dans Rwanda, il faut qu'on identifie par rapport à Bilongi na Bango, na Bakombo na Bango. Trop c'est trop. Les gens, tu vois les gens comme Bambo Kanabiso, Masano Eleki. Mon suis un homme qui a été imposé, signé, après moi, je suis un homme qui a été signé, 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 je suis un homme qui a Banyaragu ne pas congolais. Té. Botiko sakane na batuboy. Botika. Botika, il n'y a jamais eu de réfugiés congolais au Rwanda. OK, par contre, tous ceux qui se font appeler Banyamulenge au Congo sont des Rwandais, ils doivent retourner chez eux. Ils doivent retourner chez eux. Et comme une blague boyanine. Et comme une blague yanine. Ton frère se trompe parce que mboka na biso moto comme le roi ba paya to na mboka onto défi ko défa, to za ko banga, to zo ko fanda na nyongo. Il faut zaka na komi tout ça pour tout moment ba ko benga na yo, o futa nyongo na c'est du vrai n'importe quoi. C'est du vrai n'importe quoi et on peut pas cautionner ça. Tout cela ba fanda ouvira kuna o ba ancêtre na biso, ba kima ki ba yakawa, ba baba, tout ça na constitution na ba wa ko nzuluka wala article 10 wala il faut bannir toutes ces histoires là. Là je m'adresse na ministre Ndoulula. C'est inadmissible. Au Rwanda, il n'existe pas de réfugiés congolais. Par contre, au Congo, tous ceux qui se font appeler Banyamulenge ou tous les Congolais sont des Rwandais. Ils doivent retourner chez eux. Ils doivent retourner chez eux. Tout ce que l'embi, baba, divagation, là, tout ce que l'embi en haut. Tout ce que l'embi en haut. Comme il y a un peu de temps, ma seki. Pour la nini. Na ko abordé à mon deuxième partie émission. Na ba détail, na ba révélation. Ya ba tout, oh, ba komisaka. Ba réfugié banya Rwanda oh ba komi ba touti congolais oh non ba komi banya mulenge n'existe pas banya mulenge ezalaka te bo komi diembi ka sobolingi congo za pa na binote bo komi diembi ka sobolingi so bo fa na congo vous devez à vivre le kola ba réfugié qui vivent au congo et pas qu'on soit ba komo moko ilizoa komi kanga manango les banya mulenge sont les congolais c'est faux et komi ninyango na ba congolais ba fa na Rwanda ba si ba mpe sa identité. Bon, Congolais va faire dans Rwanda. Oh non, les Baluba du Rwanda. Ils ont raté. Baluba et Rwanda bazarate. Bah, soyez la Rwanda bazarate. Bah, Congolais, Bangala et Rwanda bazarate. De la même manière, les Tutsis du Congo n'existeront jamais. Jamais. Et comme il y a un sentiment, comme il y a un sentiment. Quelle discrimination? Quand les Maliens vivent au Congo, ils vivent dans la statue de Maliens qui habitent le Congo. Bah, on se voit comme il y a un bagnamoulengue. Il y a aussi des Burundais qui vivent au Congo, non? Pourquoi ils ne s'accrochent pas? Même les Hutus, là, pourquoi pas Burundais? Pourquoi ils ne sont pas au Congo? Pourquoi ils ne sont pas au Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas au Congo? Et comme ils ne Il faut essouka. Il faut essouka. Et pour essouka, il faut conscience et banane. Il faut amicondi na biso. Bisinga singate. Quand vous abonnez, vous mettez dans EAC. Pour que dans EAC, vous avez un bon pamba. Et donc, vous avez limité, solution, vous avez limité. Hein? Chaque jour, comme il y a, oh, t'es ton signé, oh, t'es protocole d'accord, oh, t'es protocole de... Pourquoi? Parce que toutes vos signatures ne font que profiter à Kagame. Pourquoi vous continuez à signer? Il y a un moment où vous donnez l'impression de jouer les jeux de l'ennemi. Et ceux qui refusent de tuer l'histoire, ceux qui refusent de comprendre, ils ont taxé directement d'être complices à Bangouna. Moi, comme je suis un peuple, je suis Ba toi est wana ba ebi bien qui sont des Congolais qui ne le sont pas. Ba toi est wana. Mais bino boke bo signé kuna na au commissariat boko ya ko imposer ba ngo que non eh ba toi ba za ba ngo na bino ba ke dati na no kuta. Bilongi wana za bilongi ya Congo te lo kuta. Lo kuta. Ata sota ta qualité ba FRDC. Sota li ba généraux ya Congo, sota li ba o ba za na Kinshasa. O ta li ba o ba za na est o comprendre ba ba Congolais. O comprendre ba ba Congolais. Ata ba o ba sergent o ba nani ba capitaine so ta li ka bilongi na ba ko ye ba ke o azana ouest na o azana est ba ndenge moti ba ndenge moti so ba nani ni ke est ne fa so na bilongi ba tu bon ba o ba uta se ba ke na est pourquoi bilongi ba za fa so ne ke pourquoi bilongi ba za fa so ne ke e komi légèreté au moins ni ba pays no so bilongi bozo la le bo ke kote bo simi akwa bozo ko na o c'est les pays frères c'est les pays c'est là. Ce sont des pays qui ont réussi à se discipliner, à se respecter et à se faire respecter. Pour moi, depuis
tendre piège. Oh non, c'est le Rwanda qui a fait ceci. C'est faux. Il n'y a pas de Congolais qui soient réfugiés au Rwanda. Ouganda, oui, mais pas au Rwanda. Pas au Rwanda. Ok, bon, Dimi, qu'on signe, tant qu'on va voir, on continue, on va voir, on a bien, non, pour que nous voulons le pouvoir, pour que nous puissions avoir une explication. Donc, tu as ton dimangoté. Bande quoi, est-ce que là, bah, il dit bien qui est Congolais qui n'est pas. Bon, ok, on signe sans accord, on a bangoté, sans approbation, on a bangoté. Pas bangoté, bah, pour aider, nous, qu'on identifie, tant qu'on va t'envoyer aux zones, à tant niveau à Ouganda, à niveau à Burundi, bah, identifier, nani, à ça, Congolais, à ça, Congolais. Hein? Pour nani? Ou est-ce qu'on a gagné, n'a pas de sépéli? Parce que même en Ouganda, tu vois qui rapport à l'ONU. En Ouganda, il y a des recrutés, Rwandais, il y a des camps, il y a des réfugiés. M23, il y a des camps, il y a des camps, il y a des réfugiés au niveau de l'Ouganda, il y a des camps, il y a des camps. Pour que tu terrorises, il y a des camps, il y a des camps. Tu es bien, même au niveau de l'Ouganda, il faut bien identifier. Il faut bien identifier qui est qui. Et comment c'est qui? Bon cannabis ou moko, mais à chaque fois tu as l'impression que bon de la ka ya ko banga ka ya ko saka lenga lenga pour nanini. Il faut esuka et soba mi kondi bolingi vraiment mona ba congolais basa uni si ma ba décision na bino et sengeli ba décision na bino et refléter vérité pas comme dans camoufler ma campo na Tanzanie basi ba bengana ka bango basa ba tole côté bango ba to oni basa ba Tanzanie ni Basa bangoni. Basa bangoni. Abino ofanda ko bando banga rabato ONU, a les beaux orba décision au lobby na dans les 20 ans, 25 ans qui vont venir, les gens qui seront là vivront encore ce que nous vivons aujourd'hui. Pour nanini. Moi, les gars, moi ya muke le quoi moi cuisine le quoi rwande ko sakani la biso. Et ko sakani la biso? Et comme nini. Ba réfugié congolais ba kené na rwande zaki na occasion ni. Et ça qui est occasion de dire, non, on a tout, moi, en bocal, il y a des sabiso. Bah, Congolais, bah, qui m'a en Rwanda, bah, qui m'a qui la situation. Bon, quand on signe en Ouganda, on a beaucoup de temps signer en Rwanda, les camounini, en gros, les camounini, finalement, les camounini. Soit mon équipe, vous avez des sabiso, t'es matola, na balabala, comme ça, bah, on n'y a pas de pas d'abango. Soit, bah, on est pas de dicter, Zangatina, dites-nous, on va dormir dans la rue. Et on verra entre eux et nous qui sont forts. Et comme il Poutine a donc frappé la porte. Non, il faut attendre, il faut patienter, bonabo. Mais quand ce sont des bâtards là qui viennent avec des décisions insensées, vous acceptez. On n'est pas là pour nous faire un compromis, pour nous faire plaisir dans Banguna et vivre dans la cas de calamité. Le coup de la soeur, nous avons dépensé un mingi, nous avons dépensé un mingi, nous avons dépensé un mingi, nous avons dépensé. Ça doit cesser. Ça doit cesser. Et si vous ne savez pas écouter la population, l'obin andel ba mouvancier ba kima ki avant mon boutou yemora kima. Ba kima avant mon boutou yemora kima. Alors prenez garde, s'il vous plaît. Prenez garde. Boko signé, non, les réfugiés congolais qui sont au Rwanda, bazonga wapi, bilongana mila iso molo kwa nina, bazonga wapi. Et là, au cas où, les autres ont commémoré, bon, gars, ils étaient congolais, ils ont commémoré, bon, gars, maman, les talingatés, les congolais, excusez-moi, ils ont commémoré, entrer, il y a, oh, ben, la libération, la base d'Aïroa. Mais, oh, bisous, va tout à l'heure, quand c'est emprisonnement, il y a congolais, depuis, il y a le néocolonialisme à l'africaine et banda qui l'est. Bon, célébrer, mais ne fût-ce que histoire, oh, et c'est une épée sabino, maïele, kolobake. Non. Ce qui est Rwanda doit être dissocié du Congo définitivement. Bon, y'a au signé, kuna. Bah, ouais, là, bah, on s'y compte, bah, on s'y appelle, bah, élection, bah, y'a qu'on force, bah, on s'en va, bah, allez, bah, la mousse, bah, M23, bah, tout, bah, bon, ça, ni. Bon, signé sous, bah, accord. Bon, ça, ni. Bon, et bien que. Ataba o baye kana nous officiellement na Laurent Désiré o baye bitumba tout ça baye ba comme c'est na beaucoup de bazonga baye ba baluka ce que ba wana ba boya ndeba sani créeront de la sécurité à nouveau sur le sol congolais boya bo kanango bien ce sont des militaires rwandais o ba linga ba déplacer na est ya mboka na biso ay bo comprendre ngote oh non boy na boy
rapidement na zoko ba po fona kata peuple congolais fona kata première partie oyo po to kuta na deuxième partie de bisiko to dévoiler ba vérité nyonso na makambo nyonso zoko zela biso. DG ya aner ya mboka na biso est gravement malade depuis ces derniers temps azoko se faire soigner évolution est timide. Et du coup, depuis deux semaines, à Tiki intérima, il y a Aner, dans ma boko, il y a Adjoen, il y a Asoumani. Asoumani, selon ma source, na biso, a outaki ko kene na France, et pas na bato a sécurité à France, pour na koso la makambo ya Rwanda, pour koso makambo ya sécurité par rapport à ba élection. Avant de continuer na état de santé, à deko Hervé Mbelu Biocha, et Sengelina Lobaliba, moko na ba réunion, ou eso sa, na France. Au fait, ce sont ces réunions-là qui finissent au fait par arriver aux oreilles des Kagame. C'est le contenu à bas réunion de Mokenda Kosa en France ou en pour service à renseignement en France, c'est ça y est un format OP à ya Rwanda. Y a dans un partenariat en Rwanda. Chef à renseignement en France a été Mokenda Rwanda na je crois na novembre ou décembre 2022. A été Mokenda Kuna. A quel niveau ça en est? Allez bien Mokenda sécurité à Congo na Batouana na France, c'est anormal. C'est anormal. Ça, c'est aller vendre le pays. Ça, c'est aller vendre le pays. Hein? C'est pas possible. C'est pas possible. Ok, pour ce Makambo ya Congo, n'a pas service à renseignement à France. Sachant que la France est parmi les bailleurs de fonds à Kagame. Donc, ok, peut-être que vous avez un peu bombardé Kagame, il prend le même plan, il copie, il colle chez Kagame. Et du coup, avant de agir, vous avez Kagame qui a agi, qui a procédé, qui a action à venir. Et vous vous posez la question, qui sont les infiltrés, qui a fait quoi, qui a fait quoi? On donne l'impression que Congo Mobimba, qu'on maîtrise la sécurité à Bokabazate. C'est honteux. C'est honteux. C'est l'impression que vous donnez. On a des hommes intelligents et calés, capables. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Bref, Ndeko Hervé Mbelu a zobé la makasi, a pesi sécurité à Mboka. Na maboko ya adjoint aye Asoumani. Asoumani a zaka toujours entre sécurité à France na ya Congo. Le coup la adjoint se voit a commis titulaire intérimaire. Si quoi on découvre Hervé Mbelu Azobe la Makasi a zui autorisation, bon c'est pas encore l'autorisation n'est pas encore confirmée, mais ba tractation est en cours, donc ba négociation kati na ye na gouvernement topé na mokondi mboka wa azali hiérarchie na ye ezo ko se poursuivre pour ba sa nini ba me maye na Allemagne. Le Congo a choisi l'Allemagne comme pays oyo ba ke ko soigner ye pour na koeba na a se rétablir rapidement pe azonga na musa na ye. Mais noter également peuple congolais bande ko balandi ya chancela chez la news était ndeko Hervé Mbelu comme on a essayé tant maki banda kala été ba ko changer ye ba ko longola na niveau ya renseignement. Alors est-ce que toujours ko tendre vers confirmation ya adieu, parce que parmi les noms qui ont été cités pour la remplacer na niveau ya Mutu ya Anya, il y a aussi le nom de celui qui fait son intérim là. Il est parmi. Est-ce que le président va devoir confirmer combo ya adjoint ayé to ko sa mandenga nini to zo ba détail dans les jours qui viennent, parce que là les tractations sont très avancées. Il se peut que d'ici la fin de la semaine to yeba ndeko Hervé Mbelu asa nini akende asa la évacué pour na ko se faire soigner na libanda ya mboka. Entre-temps le roi to zui disolo moko ya mabepo na yete to continue ko sambe la pona ye ki no to so asa ni mabeto ko condamné. Mais jusque là, comme on n'a aucune mauvaise nouvelle de sa part contre les pays, na cinq navires surtout continuer au sambe la ponaye, nous avons besoin de salaire na bomoi. Même Dieu lui-même il dit le salaire du péché c'est la mort. Alors soit qui salaire na yezali à masumu, nous avons besoin que la emawa. Nandila ma bonne na biso, nous avons un problème à connexion. Hein? Donc je disais que tout sambe la zambi nous avons battu la ye. En tout cas basous na biso na biso. Santé na ezali très 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 dégradée. Nzamba a batte na ye akende azonga na santé ya malamu moins te mboka mobimba hôpital amalonga ezalaka te. À chaque fois ba bela makasi bakenda libanda pona ko se faire soigner. Et ça c'est pas un problème parce que bato souvent bakenda ape, mais c'est honteux. C'est honteux. On a tout ce qu'il faut pour nous construire ba hôpital. Il y a l'état surtout est capable ya ko résoudre ba problème mais à bongo. Mais loko la nani
déjà qui 18 ans, bah, na, bah, on est en hôpital privé. À ton hôpital maman sokinani hein et puis mboka mbati ka hôpital mon côté à malonga maman et mbati ka ta ko bon sang côté bati ka on a état mon critique sauf que c'est pas bande bon sang côté ne pe ça appel au mon côté donc batola ba ka bat mon kan nza mbese ngele beta bango ta on yoso po ba yaki ndeko luka vina ba we bon ka ba ta ki na zamba kuna na zamba ya mboka na zamba pele ya matiti ya bosoto kuna ba yeko gagné vina bango le grâce à kongo et ba comme ko lo ba pe oh non si on ti si on ta bon we bref Nzamba bate la ndeko Hervé Mbelu tokutani na 19h45 pour nako poursuivre na ba information faut partager émission oyo to tia ba j'aime pour nako iba nako sécuriser on tokutani na poko na tondi biso botondi penza